On est épuisé, on vient d'arriver. Nous, on attendait un grand banquet, quelque chose de sympathique, de fraternel. Aïe, ce soir? Ils l'ont préparé. Ce soir, il y a un banquet fraternel, on va te accueillir. Sûrement, parce que nous, on est des vieux pèlerins. Oh là là. On a marché. Merci depuis si longtemps. Et on en a vu des choses. Ah là là. Moi, je l'ai rencontré quand il était en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ah, ce prophète. Ouais. Et après, ce prophète, il m'a dit... Va voir là-bas, l'agneau de Yeshua, Yeshua. Oui. Et tu te souviens que tu voulais pas me parler? Et non, et toi, je tiens public, hein, non. J'étais un public, lâché. À l'époque, j'arnaquais tout le monde. Alors là, il y a une chose qui m'a étonné énormément, c'est que Yeshua, il est allé chez lui. C'est vrai, j'ai été bouleversé. Toi, moi, chef de collecteur d'impôts, j'étais une crapule parfaite, hein. Il est venu chez moi. Et je sais que j'étais... Mais moi-même, souvent arnaqué par personne. Personne ne le sait, mais attends, tu me permets, je le dis. Vas-y, dis-le. Personne ne le sait. Mais si moi, j'ai voulu voir Jésus, c'est parce que Siméon, il m'en avait parlé. Ah bon? Tu te souviens pas? Tu es venu dans ma cahute de collecteur et tu m'as dit, encore une fois, je viens te payer à l'heure parce que je sais que sinon, tu vas me demander 7 fois plus. Et je t'ai dit, ben oui, hein, parce que c'est comme ça, c'est la loi. Tu m'as regardé, rappelle-toi, tu m'as dit, il faudrait peut-être un jour que tu deviennes un homme de miséricorde. Et moi, j'ai pas compris ce jour-là. Mais ça m'a travaillé, et j'ai voulu le rencontrer. Et quand il est venu à Jéricho, je ne l'ai pas raté. C'est grâce à toi, mon Siméon. C'est pas moi. Si, quand même, grâce à toi. Non. L'amitié, c'est très important. Non. Si tu n'as pas des amis, comment tu peux avancer dans la vie? Les amis, c'est très important. L'important, c'est Yeshua, c'est pas moi. Oui, c'est vrai, c'est Yeshua, mais quand même, Siméon, tu es très important. Merci, Zach. Zach est complètement transformé. Mais Zach, il est complètement fou. Il est fou.